Je suis d'un naturel modeste, mais je suis musicien et je sais où je pose les pieds. Je connais le sol nourricier où tout musicien s'enracine, la source vide où puise toute création musicale, le pôle générateur dont les reins, c'est une image, hein, font jaillir la semence musicale. C'est moi. Je veux dire que c'est la basse, la contrebasse. Et tout le reste n'est que le pôle opposé. Ne devient pôle qu'à partir du moment où la basse est là. Par exemple, une soprane. Prenons l'opéra. La soprane représente, comment dirais-je? Vous savez, nous avons maintenant à l'opéra une jeune soprane, une mezzo-soprano. J'ai entendu des tas de voix, mais celle-là est vraiment émouvante. Cette femme m'émeut au plus profond de moi-même. C'est presque une jeune fille, encore 25 ans, à peine. Moi, j'en ai 35. J'en aurai 36 en août, toujours quand l'orchestre est en vacances. Une fille splendide, bouleversante. Mais ça, c'est un détail. Eh bien, la soprano, prenons cet exemple, hein, représente ce qu'on peut imaginer de plus opposé à la contrebasse, du point de vue humain et du point de vue de la sonorité instrumentale. Et dans cette mesure, donc, ce soprano, ou mezzo-soprano, serait précisément ce pôle opposé à partir duquel, ou plutôt en direction duquel, ou en corrélation avec lequel la contrebasse ferait irrésistiblement, ou presque, jaillir l'étincelle musicale d'un pôle à l'autre, de la basse au soprano ou au mezzo, jaillir vers le ciel, telle l'alouette allégorique, divine, planant tout là-haut, surplombant l'univers entier, cosmique, infiniment pulsionnel, érotique, sexuel, pour ainsi dire. Et pourtant prisonnière du magnétisme foncièrement terrestre de la contrebasse, de son rayonnement archaïque. La contrebasse est archaïque, si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est que comme cela que la musique est possible. Car c'est dans cette tension entre ici et là-bas, entre la hauteur et la profondeur, les aigus, les graves, c'est là que se joue tout ce qui a un sens en musique. C'est là que s'engendre le sens et la vie de la musique. Eh bien, je vous le dis, cette chanteuse, soit dit en passant, en fait, elle s'appelle Sarah, je vous le dis, un de ces jours, elle va faire un triomphe. Si je m'y connais en musique, et je m'y connais, elle fera un triomphe. Et nous y serons pour beaucoup, nous autres de l'orchestre, et tout spécialement, je vous le dis, nous autres bassistes. C'est donc tout de même une satisfaction. Bon, donc je récapitule. La contrebasse est l'instrument fondamental de l'orchestre du fait de son registre fondamentalement grave. En un mot, la contrebasse est l'instrument à cordes le plus grave. Allez, permettez que je vous montre. Excusez-moi, je bois une bière. Je suis membre, excusez-moi de parler un peu plus fort, mais quand j'ai bu de la bière, je parle plus fort. Je suis membre de l'orchestre national, et autant vous dire, fonctionnaire, donc on ne peut pas me licencier. Je dois tant d'heures par semaine, j'ai 5 semaines de congés payés. En cas de maladie, j'ai la sécurité sociale. Tous les 2 ans, nos salaires sont réajustés automatiquement. Je suis assuré d'avoir une retraite, je suis assuré de tous les côtés. Vous savez, il y a des fois où ça me flanque une peur terrible, Je n'ose même plus sortir de chez moi tellement je suis assuré. Quand je suis libre, je suis d'ailleurs très souvent libre, je préfère rester chez moi tellement j'ai peur comme maintenant. Oh, comment vous expliquer? C'est une oppression, un cauchemar. J'ai une peur dingue de cette sécurité. C'est comme une claustrophobie, une psychose de l'emploi stable. Surtout comme contrebassiste. Car un bassiste freelance, ça n'existe pas. Où voulez-vous que ça existe? Le bassiste est fonctionnaire à perpétuité. Même notre chef d'orchestre en titre n'a pas la sécurité de l'emploi. Notre chef en titre a un contrat pour 5 ans. Si on ne le renouvelle pas, il est viré. En théorie, du moins. Ou prenez, tiens, le directeur. Le directeur est tout puissant, mais on peut le virer. Notre directeur ferait monter, tiens, je prends un exemple, un opéra de Enze. Il serait viré. Alors pas tout de suite, mais ça tarderait pas, parce que Enze est communiste, et qu'un théâtre subventionné n'est pas là pour ça.
Ou encore, il peut y avoir une magouille politique. Moi, en revanche, je ne serai jamais viré. Je peux jouer comme ça me chante ou pas, je ne serai jamais viré. Bon, vous allez me dire, c'est les risques du métier, ça a toujours été comme ça. Un musicien d'orchestre a toujours eu un emploi fixe. Aujourd'hui, il est fonctionnaire. Il y a 200 ans, il était appointé par la cour. En ce temps-là, au moins, le prince pouvait mourir. Alors, il pouvait se faire que l'orchestre soit dissous, en théorie. Aujourd'hui, c'est complètement exclu, impensable. Quoi qu'il arrive, même en pleine guerre. Tiens, je le sais parce que des collègues plus âgés me l'ont raconté. On était sous les bombardements, tout était détruit, la ville n'était plus qu'un tas de décombres et de cendres. L'opéra brûlait comme une torche. Mais au sous-sol, l'orchestre national était là, à répétition, à 9 h du matin. C'est désespérant. Bon, naturellement, je pourrais démissionner, certes. Je peux me pointer et dire je démissionne. Tiens, ce serait pas banal. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, hein. Mais je pourrais le faire, hein, ce serait légal. Du coup, je serais libre. Oui. Et alors? Qu'est-ce que je deviendrai? Je serai à la rue. C'est désespérant. Une situation lamentable, qu'on la prenne par un bout ou par l'autre. À moins que ce soir je foute en l'air le spectacle en criant Sarah. Tiens, là ce serait un geste digne d'Eurostrate, en présence du Premier ministre, pour la plus grande gloire de Sarah. Et pour mon licenciement, du jamais vu, le cri de la contrebasse. Peut-être que ça déclenchera la panique ou que le gorille du Premier ministre me descendra, une bavure, par réflexe intempestif, ou qu'il descendra le chef d'orchestre, tiens. En tout cas, il se passera quelque chose. Ma vie changera du tout au tout. Ce serait un tournant décisif dans ma biographie. Et même si ça ne me fait pas avoir Sarah, elle ne m'oubliera jamais. Je deviendrai une anecdote inoubliable de sa carrière, de sa vie. Rien que ça vaut la peine de crier. Et je serai viré, viré comme un directeur. Peut-être que je vais le faire, vraiment. Peut-être que je vais y aller. Tel que vous me voyez, me camper sur mes jambes et pousser ce cri. Mes aïeux. Autre possibilité, la musique de chambre. Être bien gentil, travailler, répéter. Beaucoup de patience, premier bassiste dans un orchestre de deuxième catégorie. Un petit ensemble de musique de chambre, un octet, un disque, être le type sur qui on peut compter, docile. Se faire une petite réputation, tout modestement, et attendre d'être mûr pour la truite. À mon âge, Schubert était déjà mort depuis 3 ans. Allez. Allez, faut que j'y aille. Ça commence à 7 h 30. Je vous mets un disque avant de partir. Schubert. Le quintette pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse en la majeure, composé en 1819 à l'âge de 22 ans sur la commande d'un directeur des mines de Styrie. Et maintenant, je m'en vais. Je vais à l'opéra et je crie, si j'ai le courage. Vous le saurez en lisant les journaux demain matin. Au revoir. Thank you.